Oui, je m'appelle Nicole Belmont, et donc Belmont-Vallabrequin est du nom de mon mari qui était psychanalyste. Donc on pourra parler peut-être effectivement de mon intérêt pour la psychanalyse, en particulier pour, dans l'étude des contes de tradition orale qui a pris pas mal d'années de mes recherches, enfin jusqu'à maintenant encore. Alors, bon, je ne sais pas, enfin, je parle de bon, des origines. Et donc voilà, je suis née dans une famille de moyenne bourgeoisie avec un père en particulier qui adorait la littérature. La littérature serait très, très, très classique et la musique. Et donc, qui m'en a donné le goût. Alors, bon. On me demande souvent, bon, ayant tellement travaillé sur les contes populaires, enfin, si on me racontait des contes dans mon enfance, bien entendu, qu'est-ce qui m'en aurait donné le goût. Oui, mon père m'en racontait, mais ce n'était pas vraiment des contes populaires. bien entendu, j'avais des livres avec les contes de Perrault, mais ce qu'il me racontait, c'était plutôt des récits d'origine littéraire, enfin bon, les conteurs du 19e siècle. Enfin, donc, mais bon, en plus, bon, il réinsérait, enfin, dans le milieu de la maison de campagne que nous avions, qui était près de assez près de Paris, mais qui restait vraie campagne. Et effectivement, il y avait sans doute quelque chose qui me parlait beaucoup, peut-être par rapport effectivement au lieu que j'aimais beaucoup. Donc, du comptage quand même. Voilà. Et puis, j'ai fait des études tout à fait classiques, dans un lycée qui était assez proche de notre domicile, je suis allée jusqu'au premier bac, puisqu'à cette époque, il y avait deux baccalauréats. L'année terminale de philo, je l'ai fait dans un autre lycée, lycée Fénelon, qui était plus réputé de ce point de vue. Je ne suis pas très très bien tombée, malheureusement, parce que le professeur que j'ai eu donc était fanatique de Gabriel Marcel. Alors, Gabriel Marcel n'est plus très connu, c'est un philosophe qui était à peu près contemporain d'ailleurs, philosophe chrétien. Et ma culture générale en philosophie est très déficiente du même coup. Et la seule chose, enfin, dont je suis redevable à ce professeur de philo, une dame charmante par ailleurs, et c'est que, bon, en plus, elle nous a introduit à la lecture de Marcel Proust. Et
Bon, qui après tout n'était pas une mauvaise idée du point de vue de la philosophie et de la culture générale. Et ça m'a permis enfin, de lire avec passion bon, toute la recherche du temps perdu. Et moi, j'ai l'impression que peut-être, enfin, bon, ça introduit enfin bon des interrogations chez moi. Bon, je pourrais pas dire exactement comment et pourquoi. Et donc je me souvenais qu'à cette époque je m'achetais bon, donc peu à peu les volumes dans la collection Gallimard, enfin très 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 connus. C'est vrai que y a eu une sorte de formation comme ça, bon, un peu inconsciente, qui peut-être m'a permis aussi enfin, de comprendre, mais je serais incapable de dire comment et pourquoi, enfin, bon, cet univers enfin, du conte populaire. Bon, que j'ai abordé d'ailleurs un peu plus tard. Après, effectivement, les deux baccalauréats, décidément, j'ai du mal, hein. On disait tellement bachot à la place. Bon, j'étais intéressée, j'ai eu envie de faire l'école du Louvre. Bon, rien n'était vraiment programmé pour moi à ce moment-là. Donc, l'école du Louvre, bon, qui en fait n'était pas une formation très, très, très solide, mais qui m'a donné comme ça bon, une culture générale qui m'est restée. Et puis en même temps, alors bon, c'était 3 années successives bon, d'enseignement à suivre, plus un diplôme à la fin. Mais disons que c'était plutôt suivi par. Les jeunes filles de bonne famille, bon, pour se donner une culture générale. Et en fait, bon, je ne vais pas dire que je n'étais pas une jeune fille de bonne famille, mais j'avais quand même un peu plus d'ambition, mais un peu errante à ce moment-là. Et l'intérêt pour l'anthropologie aussi, enfin bon, on parlait surtout d'ethnologie. Et l'enseignement à l'époque était un petit peu déficient. Je suivais bien sûr les séminaires de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, qu'il donnait à ce moment-là à la cinquième section de l'EPHE, dans une salle à la Sorbonne où bon, on était quand même assez nombreux à se retrouver le mercredi à 14 h, très, très fidèlement et passionnément. Bon, moi, c'était un univers que je découvrais, mais enfin, je sentais tout l'intérêt. Effectivement, Lévi-Strauss était déjà très, très célèbre, enfin, ne serait-ce que par son livre, enfin, bon, qui datait de quelques années, Triste Tropique, qui avait fait beaucoup de bruit, effectivement, et que j'avais lu aussi. Et donc, j'ai décidé bon, de faire des études, mais à l'époque en ethnologie. Enfin, l'ethnologie, c'était ce qu'on appelait une licence libre. Bon, il y avait la différence entre licence
d'enseignement avec effectivement des certificats obligatoires, bon, pour les grandes disciplines, mais bon, l'ethnologie n'était pas une discipline à l'époque. Et donc il fallait se fabriquer comme ça une licence dite libre. Donc j'ai fait le certificat d'ethnologie. C'était bon, pas bon, ça se passait à l'Institut d'ethnologie du Musée de l'Homme, bon, qui était encore le Musée de l'Homme à cette époque, et avec un certain nombre de cours, bon, dirigés par le roi Gouran, André le roi Gouran. Lui, je trouve, en faisait partie, mais n'enseignait pas, puisqu'il avait ce séminaire, bien entendu. Bon, c'était, enfin, bon, l'expression française, un peu de briques et de brocs. Voilà. On avait de la linguistique, on avait même de l'anthropologie physique, bon, de la préhistoire, bon, l'ethnologie proprement dit, mais bon, c'était sympathique, il y avait pas beaucoup d'étudiants, mais enfin bon, suffisamment. Et je me souviens que à cette époque, je me disais, bon, pour continuer, que je ferais des recherches en France et en Europe. Et j'étais absolument la seule, enfin, bon, à avoir décidé ça, puisque bon, ses amis, enfin bon, il y avait une ambiance très, très sympathique, avaient, eux, choisi un terrain exotique, bon, vraiment lointain, enfin bon, alors effectivement, je crois qu'il y avait encore bon, triste tropique qui était dans la tête, et quelquefois même, enfin bon, très précis, leur population, enfin bon, soit au fin fond de l'Amérique du Sud, soit en Afrique, enfin bon, alors. Bon, je ne sais pas, je sais pas s'ils ont réussi, enfin bon, il y en a quelques-uns, oui, je sais, ont réussi à devenir africanistes comme ils le voulaient. Et donc, bon, moi, on ne me considérait pas comme quelqu'un de très très sérieux, voilà. Parce que l'ethnologie européenne en France n'était pas imaginable, enfin, il fallait l'exotisme. Et je dois dire que ça a duré. Ce sentiment qu'on ne pouvait pas faire des choses sérieuses. Enfin, ça a un petit peu changé quand même en France. Alors à ce moment-là, effectivement, j'ai eu la chance de. Bon, je voulais. Bon, je ne pouvais pas avoir effectivement de vrai métier, de vrai poste, mais gagner un petit peu d'argent. Enfin, bon, je m'étais adressée au secrétariat de l'école du Louvre en me disant, bon, est-ce que vous n'avez pas des demandes, enfin, ou des choses comme ça. Et effectivement, bon, là, il y a eu un premier hasard et chance, c'est que le Musée des Arts et Traditions Populaires avait besoin de quelqu'un pour travailler au service des collections, enfin, bon, pour aider celle qui dirigeait ce service des collections. C'était un poste absolument improbable. Bon, c'était des heures on n'avait pas droit. Enfin, il y avait quatre postes comme ça au Musée des Arts et Traditions Populaires. C'était Georges-Henri Rivière à ce moment-là qui dirigeait. Bon, donc, mais il y a longtemps, en effet.
Et il tenait à ses postes, enfin bon, qui ne méritaient pas de nom de poste, enfin bon, il fallait aller se faire payer directement, bon, un service qui en fait était issu, qui avait persisté des chantiers de la jeunesse sous Vichy. Oui. Bon, je ne sais pas, bon, Georges-Henri Rivière, il tenait énormément, parce que, bon, il pouvait, c'était un peu, disons, une main-d'œuvre corvéable à merci, enfin bon, et sans engagement du tout. Mais bon, j'étais quand même très, très, très contente. Et effectivement, du même coup, je me disais, voilà, ce qui me conviendrait, c'est de travailler dans un musée d'ethnographie, d'ethnologie. Mais bon, avec mes titres de l'époque, je pouvais pas effectivement tellement demander. Il fallait au moins que je termine cette licence, ce qui n'était pas terminé. Et j'ai passé presque 3 ans. Ça m'a appris des choses. Bon, c'était sympathique aussi. Enfin, et puis bon, je me sentais pas non plus engagée, enfin, complètement, enfin, dans le fonctionnement des ATP qui peut-être n'était pas toujours très facile, bien entendu, dans toutes les institutions. Mais bon. Ça ne pouvait pas me mener bon, bien, bien loin, puisque bon, il n'y avait pas de moyen de transformer ce poste. Bon, il était absolument fixe. Alors là, bon, il s'est passé en quelque sorte un miracle. Bon, c'est que. Alors, j'avais participé, pour mon travail n'était pas très intéressant, c'était bon, de recopier sur des grands registres toutes les caractéristiques des objets qui rentraient au musée. Bon, ils sont avec de l'encre de Chine pour qu'on ne puisse pas effacer éventuellement. Bon, c'était absolument incroyable, mais effectivement, c'était comment se faisaient les enregistrements se faisaient de cette manière. Et puis, bon, quelques tâches un petit peu plus intéressantes. Celle qui a été la plus intéressante et la dernière, c'était de participer à l'organisation d'une exposition temporaire. Et cette exposition portait sur l'œuvre de Mistral, Mireille, dont c'était peut-être, bon, j'ai oublié d'ailleurs, bon, l'anniversaire de parution, enfin je ne sais pas, enfin, puis bon, tout ce mouvement tout autour, enfin bon, de provençal, mais il s'agissait d'illustrer bon, tout le récit de Mireille, récit tragique. Bon, donc j'ai participé, ça m'avait tout à fait intéressé. En fait, le jour de l'inauguration, bon, Claude Lévi-Strauss, qui était très très ami avec Georges-Henri Rivière, Rivière proclamait enfin bon son amitié, son respect bon, pour Lévi-Strauss, il l'appelait son grand frère, tout en disant je suis plus âgé que lui, mais c'est quand même mon grand frère. Enfin, bon, des petites choses qui me sont restées dans la mémoire. Donc, Lévi-Strauss était là, et bon,
Bon, donc, j'étais évidemment, bien sûr, au vernissage. Et il m'aborde, donc je le connaissais, il me connaissait évidemment, puisque je suivais ses séminaires. Et il me dit, ben, voilà, je voudrais bon, vous parler de quelque chose, vous proposer un poste. Pour le laboratoire qu'il était en train de fonder. Moi, j'étais absolument éblouie. Bon, alors le poste était. Ben, alors, il s'est défendu tout de suite. Vous savez, le poste, bon, il est pas terrible, collaborateur technique un peu improbable qu'on lui avait attribué par. Puisque bon, il dirigeait avec le roi Grand l'Institut des technologies. Donc, alors, il était donc universitaire, mais c'était des postes qu'on créait à l'époque. Et bon, je me souviens que j'avais voulu, après, me syndiquer. Aucun syndicat d'enseignement ne voulait de moi. On ne connaît pas, je ne sais pas où vous mettre. Enfin. Voilà. Bon. Et alors, je dis oui, mais bien sûr, bon, je serais tellement heureuse, mais il faut que je demande à Jean-Henri Rivière. Enfin, bon, la correction, effectivement, c'est pas un bon, qui tenait beaucoup. Ah non, 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 il faut faire le dossier tout de suite. Et alors, bon, il en a parlé à Rivière qui a été, effectivement, qui m'a laissé partir très volontiers pour un poste. Et du même coup, j'ai acquis un peu de prestige à l'intérieur du musée des arts et traditions populaires. Je vous raconte des plaisanteries là. Voilà, donc je suis rentrée dans ce laboratoire. Qui dépendait bien sûr du Collège de France, mais le Collège de France avait prévu des locaux, mais qui n'étaient pas libérés. Et donc le laboratoire a passé quelques années tout près du Musée de l'Homme, d'ailleurs, avenue d'Iéna. C'était une annexe du musée Guimet. Comme ça, enfin, des arrangements. En attendant, des locaux très, très petits, bon, il y avait trois pièces. La plus grande était dévolue à cet énorme fichier Murdoch. Qui avait été attribué par les États-Unis à Claude Lévi-Strauss et auquel il tenait énormément, effectivement, et qui n'a cessé de s'accroître, d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il puisse passer, effectivement, sur Internet, donc effectivement, on a résolu la question. À ce moment-là, bon, je n'avais, je sais, non, je n'avais pas encore complété cette licence libre, bon, qui était bon, le seul titre qu'on pouvait bon, acquérir en anthropologie, en ethnologie. Effectivement, en même temps, j'ai terminé ces certificats. J'avais fait donc après ethnologie, histoire des religions, bon, qui me semblait tout à fait aller, sociologie, donc qui était quand même la discipline proche, et puis alors là, tout à fait improbable, histoire de la colonisation, qui pouvait être utile si on faisait du terrain exotique, mais
En fait, je n'avais pas trop de projets. Bon, je ne sais pas. Je ne sais même plus trop pourquoi j'avais choisi, mais ça se présentait à ce moment-là. Et puis, enfin, concernant le poste, les bistrots, ça a vu assez vite que c'était. Effectivement, un poste un peu improbable, on dira. Et donc, comme le laboratoire avait des liens avec l'école des. Enfin, qui n'était pas encore l'école, la sixième section de l'EPHE, à ce moment-là, c'était un poste de chef de travaux. Bon, c'était le titre. Je me suis toujours demandé si. On était chef de travaux des autres ou chef de ses propres travaux. Enfin, c'était un poste qui était un peu utilisé comme les directeurs le voulaient, ou bien très technique, du secrétariat. Mais en principe, il y avait une part de recherche, enfin. Et effectivement, après ça, il a disparu et il a été remplacé par, à l'époque, maître assistant, enfin, et puis maître de conférence. Et puis le partage exact entre recherche ou travaux pratiques. Donc, effectivement, Lévi-Strauss qui était de ce point de vue, enfin, vis-à-vis des gens qui travaillaient pour lui, d'une honnêteté, enfin, d'un scrupule absolument extraordinaire, n'admettait pas, enfin, on trouvait que c'était normal que je puisse faire des recherches, et très d'ailleurs, de manière amusante, c'est lui qui m'avait demandé de faire une recherche sur l'enfant né coiffé. Alors, par ailleurs, ça l'intriguait, voilà. Et alors, donc, par ailleurs, je travaillais pour sa documentation, en particulier, aller dénicher des livres un peu difficiles à trouver, également à la bibliothèque du Musée de l'Homme qui, en fait, tant qu'on était avenue d'Iéna, était tout proche, enfin, était très très facile à aborder, mais quelquefois, il avait besoin de choses plus ou de documentation, effectivement, quelque chose d'intéressant qui me faisait entrer dans ces recherches. Il m'a dit oui, il y a quelque chose qui m'intrigue. Est-ce que vous pourriez rechercher? Mais ça n'est pas urgent. Enfin, je n'avais pas un besoin immédiat pour ces travaux et ces coups. L'enfant décoiffé. Effectivement, ça me convenait dans la mesure où c'était extrêmement répandu en Europe, c'était une croyance qui était très, très, très répandue, un ensemble, que du même coup, c'était en quelque sorte un petit peu de l'ethnologie européenne, mais qui était à l'époque plutôt du folklore. Voilà, je rapportais comme ça des choses, des documents, jusqu'au moment où il m'a dit oui, ça pourrait faire une thèse, ça. Donc, effectivement, ayant acquis la licence, j'ai inscrit sous sa direction une thèse sur l'enfant décoiffé.
je me suis lancée là-dedans, enfin, sans me rendre compte, enfin, d'abord ce qui était vraiment une thèse, enfin, c'est ce qu'on appelait la thèse de troisième cycle à l'époque, qui était quand même pas très trop lourde, enfin, était un peu inconsciente. Et puis, donc, j'ai accumulé beaucoup de choses, bon, c'est apparu, effectivement, j'ai accumulé. Et donc, c'est après ça que j'ai écrite sous sa direction. Enfin, il était soucieux enfin, que je ne sais pas, enfin, bon, parce que je faisais appel à de la documentation ancienne, hein, enfin, bon, même mythologie européenne ancienne, bon, et effectivement, bon, sans avoir été formée, enfin, de ce point de vue. Mais bon. Et donc, il avait posé la question à propos de justement de mythologie en particulier irlandaise, enfin donc il y avait des attestations comme ça, enfin, sans bâtir véritablement une théorie. Deux personnages comme ça, mythiques, nez coiffés, ou des. Bon, bon, c'était pas très nombreux, mais enfin, bon, il avait quand même tenu à s'assurer que, auprès, bon, à la fois de Georges Dumézil et de Jacobson, qui bon, venait donc de temps à autre. Une amitié très très forte avec Lévi-Strauss. Bon, on dit qu'il n'en savait pas plus, et quand même, bon, tu mais si, c'est pas quelque chose qui devait le passionner, ça devait paraître un peu bizarre, mais en tout cas, il a pu, bon, se rassurer. Et j'ai soutenu, j'ai terminé la thèse en 1968, bon, vous voyez que ça date, pas mal de temps, et en même temps c'était une année un peu difficile, où, bon, dans les universités, bon, à ce moment-là, les thèses de l'école pratique étaient visées par un professeur à la Sorbonne, et ça se passait à la Sorbonne, impossible de soutenir la Sorbonne. Et à la rentrée d'octobre, Claude Lévi-Strauss m'a dit, écoutez, cette thèse, quand même, il faudrait la soutenir. Alors, je suis allée à la Sorbonne en disant, ben voilà, j'ai déposé une thèse. Ah, vous voulez soutenir? Bon, ben, on va organiser une soutenance. Donc, il y avait encore un peu, même à la rentrée de 68, un peu de relâche. Bon, ben, la soutenance s'est bien passée. Donc, bon, j'avais quand même. C'était une étape importante, enfin, bon, pour moi, qui bon, avait comme ça enfin, bon, des débuts incertains. Et je pouvais voir la différence, par exemple, avec bon, les tous les gens enfin, qui entouraient Lévi-Strauss, qui par exemple participaient à son séminaire, ben, effectivement, les gens qui réussissaient le mieux en ethnologie, c'était ceux enfin, qui avaient fait des études de philo, bon, donc, qui voulaient
Bon, après avoir fait une licence de philo, bon, sérieuse quand même, avait besoin d'un peu autre chose, et donc qui se tournait vers l'anthropologie, et donc à ce moment-là, nécessairement vers Lévi-Strauss. Effectivement, ils étaient quand même beaucoup mieux préparés, enfin, bon, que moi, donc j'ai senti, bon, c'est peut-être pour ça que finalement je suis restée un peu isolée, bon, bien insérée dans le milieu bon, du laboratoire en particulier, bien sûr, mais intellectuellement un peu isolée.